Since Malabo, since Zamangwe, and since Bangante, about last week, problem of Ben Sikin. So, j'aurai le temps de revenir développer avec vous la question sur le Ben Sikin qui vous a amené à me dire que oui, on peut se développer avec le Ben Sikin. J'ai pris vos messages au sérieux. Okay, my country people, to open this edition today, I want to talk about my dreaming. I don't dream, say, I can make a face-to-face debate with Tokam. Because since I get a power, in our country, we know this here face-to-face, like Trump on Joe Biden. So, now, for this problem, we can see police and gendarme around home of Tokam at Yaounde. Now, about the security, because if I leave Tokam free, somebody can, quelqu'un peut l'agresser, somebody can kill him after unagose that government, not the do something to pour protéger Tokam. C'est ce qui explique l'armada des forces de l'ordre tout autour de Tokam à Yaoundé, au quartier Oda. C'est pour vous dire que je le prépare aux missions qui sont les siennes, comme celle de Penda. Je l'invite aussi à avoir un débat face-to-face avec the head of state. Don't talk, say, I'm afraid to get a debate avec Tokam. Je voudrais débattre avec eux en public pour se rappeler ses photos lorsqu'il était ministre délégué à la justice. Et l'animateur de ce débat pourra être quelqu'un de My Media Prime, peut-être l'achat où Léo peut arbitrer le face-à-face de Nkumwando de l'univers avec le chef de l'État. So, una must not say today, head of state, he need to get a debate face-to-face avec Evine Nkumwando, Evine Benda et Koka, Evine Joshua aussi. I want to debate today. Il n'est jamais trop tard, même si depuis 82, nous n'avons pas eu de face-à-face à la télé. Mes chers compatriotes, je suis disposé à débattre avec Tokam. Dès qu'il sera prêt, vous me le faites savoir. Je vais débattre avec lui. After this first subject today, I want to opening another subject with you now about turtle. You know, in our country, population of Mbam, Lembamwa, Mbamme Kim and Mbamme Inubu, chosen population afraid turtle. Why Mbamwa people afraid turtle? Now my question today, why? Because for example, Betty people they eat turtle, even Bamileke people they eat turtle, Basa people they eat turtle. I think that even Bayange and Bakwere people and Mandara people, all of them eat total. Why Mbamwa people, population of Bafia and Bangasina and Ombesa and Bukito, Yamben, Makenene, Ndiki, why dozen people afraid bad total? Pourquoi les Mbamwa ont peur de la tortue qui est paradoxalement mangée par les Bétis? Est-ce que les Bétis ont quelque chose de plus ou de moins que les Mbamwa pour manger la tortue, mes chers compatriotes? Qu'y a-t-il de miraculeux de fonder si jamais un Mbamwa mangeait la tortue, mes chers compatriotes? Is it normal that Mbamwa people continue to afraid a turtle? Je ne sais pas, je vous ai posé la question, mais j'attends certainement des réactions, car peut-être que les Mbamwa ont raison. Maybe they get right to refuse to eat a turtle. Maybe also they not get right to refuse to eat a turtle, my country people. C'était l'un des sujets que je voulais absolument aborder avec vous afin de casser les tabous dans notre village, le Cameroun. I will say another Saturday, I will bring another adage like that to discuss with Oda au sujet de notre pays. Mes chers compatriotes, après ces deux sujets, qu'il me soit permis d'aborder la transition. In English, we are calling a full stop. Let us take our full stop about immigration. Cameroonian immigrants outside, how they live outside. Let's go to watch our compatriots outside who want to go swim pour arriver en Europe où il y a le COVID-19. People, we don't see our compatriots outside. Now, some Cameroonian believe say they can go to Europe by sea, to swim on Mediterranean or on Atlantic. It's dangerous, but some guy réussissent à faire cet exploit. But also plenty people die inside sea. Is it good or is it correct? Is it a bad thing? How we can stop young, we can empêcher a young Cameroonian to go outside is very difficult, my people. Okay, Una, let me to continue our program with I think that the zapping tour of info. Zapping tour today, they bring us inside our Douala city. Nasoa, they invite a new mayor of Douala, a man who don't remplacer this guy. He named Naweti. We Douala get a new mayor. Il n'aime pas Roger, I think. Il a remplacé celui que vous connaissez et qui n'a rien foutu. C'est la raison pour laquelle j'invite l'actuel maire de Douala, le premier, à faire un certain travail. Notre ville qui va accueillir la CAN 2021, je pense que tout est mis en place pour que cela soit faisable en février ou en juin. Il n'est pas normal que des étrangers, des touristes viennent observer des quartiers comme ça. Regardez vous-même la route empruntée, le Ben Sikin et le piéton sont obligés d'esquiver. Est-ce qu'il n'y a pas des êtres humains là-bas pour eux-mêmes travailler, parce que là, c'est à risque. Somebody can die after Unagotok. Say, President, you know, want to walk. I'm not a mayor of Douala City. Il faut demander à votre super maire qui s'est battu pour qu'il n'y ait plus de délégués au gouvernement, en l'occurrence Tonnet, et que Roger, dont le nom m'échappe, fasse le travail qui est le sien. Regardez les pistes que certains Camerounais doivent emprunter pour aller chez eux, pour venir en ville. It's not good, my country people. I think that notre pays vaut bien plus que ça. So, I wish after, before the end of my mandate, nobody can see the same picture in our country. So, nous avons fini la revue, j'allais dire, le zapping tour d'info. Place à notre revue de BD, mes chers compatriotes. La première BD in this morning, c'est about a teacher. Vous voyez le teacher, il est comme un pont, bridge. Et sur le pont, on dit bridge, on a ici student. After this BD, on a see some side literacy, another side illiteracy. En France, en français, c'est illettré et lettré. C'est pour dire que les teachers sont des vrais bridges. Le vrai pont, il mérite du respect. Une autre BD ce matin, une autre BD na Bat. Blatt disait date, toi là, ça fait déjà 52 fois que tu vas au WC, 10 week. Tel you say, if tu remplis ça ce mois, passe c'est ta scolarité que je vais prendre pour vider ça. Another birthday this morning, my country people. Another birthday now, but a man who beat a woman is not a good thing. I think that next week I will speak with Una about this problem. Les hommes qui battent leurs femmes ne sont pas des hommes. Un homme utilise sa force to keep, to protect his family. Family and his wife. Another birthday in this morning, my country people, na Krikrak. Krikrak dit que les violeurs n'ont pas porté plainte. On ne peut rien faire. Another birthday, my country people, na wife of Tokam, na see her. She don't dress the cloth of CPDM. Na so na toxe I don't catch Tokam, but his wife did dress in my mon habit, my clothes. Another birthday. So I want to say that Suzanne is very beautiful woman like Chantal. Another birthday now. Young people of Algeria, à travers les époques, October 1988 and October 2020. Vous pouvez admirer qu'il y a une large différence entre les époques des jeunes en Algérie. Another BD and the last BD, I think. Ma copine, bilan de la rentrée, deux nouveaux profs, un célibataire et un marié. On attaque le marié, lui on peut menacer et dégater son foyer ou le poursuivre pour abus sexuels. Si t'as pas bonne note après livraison, on a dit language discussion of student in Cameroon. Another last birthday na Sungalo, je te présente Benta Kone, my second wife titulaire. Elle est juriste au marché de Medina Koura. Ah bon, il y a juriste au marché aussi. Yes, I'm selling everything of juice. Nyamaku juice, Debellini juice and Tommy juice. My country people, nous avons fini notre revue de BD. Place à notre conférence de presse avec Matip qui est là aujourd'hui pour me poser toutes les questions à votre place. Good morning, Mr. Matip, and welcome again on My Media Prime in this day. Matip qui est là aujourd'hui pour poser toutes les questions. I think that everything is good. Monsieur le Président, l'école a repris le 5 octobre dernier. Alors, quelques jours plus tard, quel est le bilan que vous avez fait? Le bilan, il est dans l'ensemble positif. Je sais que du côté du nord-ouest et sud-ouest, comme du côté de l'extrême nord, ce n'est toujours pas ça. Peut-être au centre-ville de Bamenda, au centre-ville de Boya, Limbe ou bien au centre-ville de Maroua. Mais je voudrais dire aux populations qui veulent voir leurs enfants continuer d'aller à l'école que la paix n'a pas de prix. Nous payons le désordre que nous avons fait. Mais l'armée continue de faire son travail pour que tout soit remis en ordre. Monsieur le Président, quel message adressez-vous aux différents chefs d'établissement pour éviter la présence de COVID-19? Each teacher must respect first before student. Each student must, each teacher must respect la mesure barrière. C'est l'enseignant qui doit, à partir de lui, enseigner aux enfants comment éviter le Covid. Ça veut dire être très distant des enfants. Tous les teachers doivent être distants des students. This is the first thing. The second thing, I think that le masque, ceux qui ont plus de 11 ans, more than 11 years old, c'est eux qui doivent porter le masque. Les plus petits, ce serait à mon sens leur créer d'autres problèmes. Laver également régulièrement les mains à du savon et de l'eau, ou alors avec les substances que nous connaissons. Et puis, voir comment multiplier les salles de classe, parce qu'il est question que chaque enfant soit sur son banc tout seul. Je pense que c'est comme ça que nous pourrions donner une réponse claire au Covid-19 qui ne fait pas de cadeaux de l'autre côté en Occident, où je dois vous rappeler qu'ils sont rentrés en reconfinement pour la majorité de ces pays-là. Voici, Monsieur le Président, quel conseil donnez-vous aux élèves qui ont repris le chemin de l'école depuis le 5 octobre? Je leur dis que vous avez eu plus de vacances que quiconque avant vous. Pratiquement 6 mois de holiday. Cela vous a permis de grassir et de jouer au maximum. Na school a recommencé. Il faut être seriously, il faut être sérieux, il faut se réveiller tôt. Réviser ces leçons chaque jour et surtout poser les questions aux teachers. If una don't understand, thing way teacher want to explain una. Monsieur le Président, certains enseignants du secteur privé perçoivent un salaire de 35 000 francs le mois, d'autres 40 000 francs. Est-ce normal, Monsieur le Président? No, it's very bad thing because to live in Cameroon with 35,000 or 40,000 is like a miracle. You must do another thing to live in Cameroon. Je pense que ces encadreurs d'enseignants devraient faire tout pour rehausser les salaires des enseignants. Because education na key. A man who get this key na teacher. So to help teacher to make a better work, una must give them a better salary. Monsieur le Président, les fondateurs du secteur privé s'enrichissent alors que les enseignants qui font tout le travail s'appauvrissent, Monsieur le Président. N'est-ce pas une injustice? Of course, c'est de l'injustice. C'est pour ça que je dis qu'il fallait venir au dialogue national poser ce type de problème. Comment revoir l'heure du travail même dans l'ensemble au Cameroun? Il ne s'agit pas seulement des enseignants, même les magistrats, les maçons, les menuisiers, pratiquement même les Ben Sikina, les colboxeurs, tout le monde se plaint qu'ils ne gagnent pas assez. Alors, comment réparer ce problème? Faut-il réduire les salaires du gouvernement pour augmenter ceux des fonctionnaires, même dans le privé? Faut-il se consacrer à l'agriculture et l'élevage pour espérer ne plus avoir ce type de problème à l'avenir? Ce sont des questions que j'étudie chaque jour. Monsieur le Président, certains Camerounais pensent que vous êtes déjà fatigué, que vous devez prendre une retraite politique. It's true. I'm old man, so I don't tire. I get power since 1982. But the problem of this power is je ne vois pas, not this man who can take this power. I see Tokam or Gabriel or Joshua aussi. Not the player, they no one to get a power. So if I not see a man who can take the power like I don't take up on the hands of Aido, I will stay with this power until God go call me. No, it's not possible because je suis assez grand d'esprit et je sais respecter la gente féminine. Et quand Chantal fait des histoires, je ne lui parle pas. Et quand elle ne me parle pas, je ne fais pas d'histoire, je reste tranquille. Je pense que le calme, c'est le meilleur fouet de la femme. Taper sur la femme, maybe Chantal can beat me because I'm old man. Monsieur le Président, que dites-vous par rapport aux relations sexuelles entre élèves et enseignants? Ce n'est pas du tout normal et je le déconseille à tous les enseignants. À partir du moment où vous draguez une petite fille, même au quartier, sachez qu'elle ne va plus jamais vous respecter, même si vous aboutissez à vos envies. Imaginez-vous sortir avec la plupart de vos élèves, mais elles vont raconter qui vous êtes et ça va endommager votre carrière. C'est parce qu'il y a la corruption en principe. Un professeur qui est allé avec une fille mérite la prison. Vous n'êtes pas professeur pour aller avec les students à l'école. Il y a beaucoup de femmes libres qui ne sont plus élèves ou étudiantes. Oui, Monsieur le Président, j'ai posé justement cette question à un ancien qui m'a dit que la meilleure femme, que la belle femme se trouve plutôt à l'école. Non, il a complètement tort. Il ne comprend pas ce que veut dire être enseignant. Un enseignant, c'est comme un dieu. C'est toi qui donnes la connaissance, même si elle est belle. Je suis d'accord qu'en terminale, en première, en seconde, il y a des filles ravissantes et même en troisième. Mais la force d'un homme se trouve dans sa résistance à la beauté, parce que la beauté est également un piège. Le piège d'un aîné, au lieu d'aller avec vos classes, vous allez avec des gamines qui doivent faire leur vie avec leurs camarades et non avec vous, chers Tita. Et maintenant, Monsieur le Président, qu'en dites-vous par rapport aux relations sexuelles entre les jeunes? Ce sont des jeunes, il faut tout simplement encadrer ça. Je pense qu'à partir de 17 ans, 19 ans, les pubères ont le droit d'apprendre à se connaître, puisque la vie futur fera partie de la sexualité. Et il faut bien commencer quelque part. Entre mineurs, je pense que c'est compréhensible, mais pas encouragé. Dernière question, Monsieur le Président. En tant que premier sportif camerounais, quel est votre sport préféré? Football, handball, I love golf. Golf and down where I get power, I make cyclism. I love golf also. The washer Roland Garros. Merci, Monsieur le Président, une fois de plus, de m'avoir accordé cette interview depuis le studio 1 de My Media Prime. Thank you, Mr. Matip, and thank you all who don't watch this another edition with the head of state of Cameroon. So to cook this comedy news today, now the same team, sauf que il y a Paul qui s'est ajouté à la Dream Team aujourd'hui. C'était Paul, Mr. Kaiser, Mr. Leo, and Mr. Dambe. So I want to say God bless our country. The broadcast of this edition tomorrow, 9:30. Next Saturday, if God bless, I will be with Una at the same place to discuss about another story. Tomorrow, 9:30. Next Saturday, if God bless, I will be with Una at the same place to discuss about another story.